Dans cette vidéo, nous allons discuter d'un concept un petit peu complexe, la notion de réfutabilité, ou si on prend l'anglicisme, la falsifiabilité. Falsifiabilité en anglais. Donc, on la doit au philosophe Karl Popper, qui a introduit le concept au début du XXe siècle, et qui est maintenant un des piliers de l'épistémologie de la science moderne. Tout ce qui est sciences naturelles, biologie, physique, repose énormément sur le concept de falsifiabilité. L'idée est la suivante. Si vous avez une affirmation, elle n'est scientifique qu'à partir du moment où on peut imaginer une expérience pour pouvoir la contrer, pour pouvoir montrer qu'elle est fausse. Et l'inspiration de Karl Popper pour proposer ce concept, ça vient en partie de la psychanalyse. Les psychanalystes avaient des arguments indestructibles pour défendre, en l'occurrence, le complexe d'Œdipe. En anglais, on parle de self-sealers, c'est des arguments qui s'autoprotègent. Je donne un exemple. Tant pis si c'est une caricature du complexe d'Œdipe. C'est en tout cas la démonstration que Popper en avait fait. L'idée, c'est que, en tant que petit garçon, vous avez par exemple une attirance sexuelle pour votre fille, pour votre mère. Deux cas de figure. Soit vous le niez. Dans ce cas, le psychanalyste dira « Ah, mais c'est parce qu'en fait, vous refoulez au fond de vous, donc ça n'arrive pas à votre conscient. Votre inconscient refoule cette attirance, donc vous n'en rendez pas compte. » Deuxième cas de figure, vous l'admettez. Auquel cas, le psychanalyste dit « Ah, bah, vous voyez, vous l'admettez, donc j'ai rien à démontrer. » Donc, dans un cas comme dans l'autre, il arrive à proposer son argument et le rendre indestructible. Quelles que soient les données que vous collectiez, quels que soient les contre-exemples que vous apportiez, l'argument tient toujours la route. Et quand l'argument est de cette nature, il n'est pas scientifique pour Karl Popper. Donc ça, c'est un concept central et qui est toujours très utile, même actuellement, pour réfléchir aux propositions qu'il est pertinent de réfuter ou non. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est toutes les discussions autour de ce que ressentent les plantes. Alors, à partir du moment où vous ne pouvez pas mettre en place une expérience qui permette de falsifier que les plantes ressentent ou non quelque chose, eh bien, c'est un argument irréfutable. C'est une proposition, dirons-nous plutôt, irréfutable. Est-ce que réellement, vous pouvez aller parler à une plante pour savoir ce qu'elle ressent ou non? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais c'est que finalement, on n'a pas de moyen de savoir ce qu'elles ressentent. Ce n'est pas parce qu'elles émettent des molécules chimiques quand elles sont attaquées qu'elles ressentent nécessairement quelque chose. Donc à partir du moment où on n'a pas de moyen de savoir, finalement ce type de proposition sort du domaine scientifique et relève peut-être plus de la philosophie, de la spiritualité, mais en tout cas pas de la science. Autre exemple, la thèse pseudo-scientifique du dessin intelligent qu'on va appliquer à l'évolution. Donc dans cette logique de dessin intelligent, il faut comprendre d'où c'est né. On avait un problème, les créationnistes avaient un problème avec ce qu'on appelle le fixisme. Donc dans l'approche fixiste, tous les animaux ont été créés en une fois et n'ont jamais évolué, les animaux, les plantes, etc. Et si on trouve des fossiles, ils ont été juste créés pour tester la foi, enfin blablabla. Sauf qu'ils voyaient bien que cette théorie commençait à prendre l'eau et à perdre en crédibilité, et on a eu le néocréationnisme en anglais qui est apparu, et ce qu'on appelle l'intelligent design. Là, je vous ai mis les termes en anglais parce que c'est ça que vous devez utiliser dans Google. Donc, dans cette approche, en fait, il y a une force supérieure et intelligente qui dirige l'évolution. Donc, elle ne nie pas, c'est une forme de créationnisme qui ne nie pas l'évolution, mais qui dit on est trop complexe pour que ce soit fait simplement par sélection naturelle. Alors, il y a beaucoup d'arguments dans l'intelligent design, mais certains sont réfutables. Parmi les nombreux arguments qu'utilisent les néo-créationnistes, on a souvent l'œil, hein, qui est soi-disant trop complexe pour être apparu par sélection naturelle. Et on appelle ça l'argument de la complexité irréductible. Alors, si on regarde un peu, il est peut-être un peu complexe, mais il n'est pas fait de manière tout à fait parfaite. Un exemple, les systèmes nerveux au niveau de la rétine sont montés à l'envers, ils traversent plusieurs couches de cellules au lieu d'aller directement vers le cerveau. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Donc voilà, on a des techniques pour ces arguments. Mais si les gens qui supportent le néocréationnisme, enfin qui défendent le néocréationnisme, le dessin intelligent, commencent à dire « Oui, mais même la sélection naturelle est dirigée par une force supernaturelle », on peut toujours réussir, par régression, à dire qu'il y a une intelligence quelque chose, derrière quelque chose qu'on qualifie scientifiquement comme un phénomène chimique ou physique.
Donc l'argument devient indestructible. La théorie, en l'occurrence, devient indestructible. Donc voilà, juste pour dire qu'il faut se méfier de tout ce qui est des termes qu'on utilise et de toute la concept de réfutabilité. Par exemple, l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, hein, qui est très belle, hein, c'est une sorte d'analogie dans laquelle on défend l'idée que la Terre est comme un être vivant, l'atmosphère, la biosphère, tout ça sont ses organes. Donc c'est très poétique comme hypothèse, mais ce n'est pas une hypothèse au sens scientifique du terme, avec, en tant que proposition, qu'on peut réfuter, auquel on peut mettre en place des expériences pour dire « Ah ben non, ce n'est pas comme des organes, c'est juste une très belle analogie. » Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce concept un petit peu complexe. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller lire Karl Popper et tous les livres qu'il a écrits, « La connaissance objective », etc., mais aussi peut-être les philosophes qui l'ont suivi et qui ont un peu critiqué son travail, Lakatos, Feyerabend, qui vont permettront de nuancer votre propos et de ne pas devenir ce qu'on appelle un méchant positiviste.